Mote peuple congolais, boza ebele ya kolanda. Oya bino l'arbitre du peuple Ousmane Mutombo. Boza ebele na tongwa lelo. Bozo landa biso bisika bozali ba congolais de père et de mère. Et on appelle ça bino merci pour la fidélité, loyauté oyo bolakisaka na chaîne à biso Congo Liberté. Merci pour na tambo zwaka. Pona koyoka oya bino arbitre du peuple Ousmane Mutombo na mayoza na kati ya kulika na mboka e na soutien na bino na tango nyonso eza malamu bande kuna ngaba kongolais tukobeta masolo ebele masolo tukobeta ngo eza ebele photo partager na ba kongolais bokuyeba la situation na mboka na biso makambu nini eza na kati ya kulika na mboka na biso parce que tango nzolo bana bino la RDC entre l'Union européenne et le gouvernement congolais, ça ne marche pas. Et beaucoup, pourquoi ça ne marche pas? Et des choses qui se passent, c'est terrible. Bandeko yangai. La MONUSCO, qu'est-ce qui se cache derrière la MONUSCO? Beaucoup, il faut comprendre que MONUSCO, il va nous recruter par Rwandais dans Katia MONUSCO pour Namboka Nabiso. Et ça sonne. Et ça sonne. La MONUSCO veut commencer à recruter les militaires ougandais pour n'abaya kofana na mboka na biso. Non, tokobeta masolo pour comprendre pourquoi Justin Bitakwira devait bête noire na Union européenne. Denis Sanga na Kananga, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tokobeta masolo. Kobeta masolo ebele, jeu de la francophonie, masolo kobeta zana bino, mpiaka oyo fayula beti lisusu bandeko ya nga mona mwena misu. Vous comprendre que les Congolais ne sont pas les Congolais d'hier. Les Congolais d'aujourd'hui, c'est un peuple mature, un peuple de la prise de conscience, un peuple oyo bazo comprendre que l'état que nous sommes aujourd'hui, il faut défendre la nation. Rien que la nation congolaise que nous devons défendre. Oui, tu peux être tshisekediste, tu peux être fauliste, tu peux être katumbiste, mais, et là qu'on est yayambo, il faut privilégier toujours l'intérêt de la République, pas les intérêts des individus, mais de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle Ngai Ousmane Mutombo, l'arbitre du peuple, n'a yé kanakata etando ekiye. Pona kobete na bino masolo etalimboka. Pona ngai la patrie ou la mort. Moi j'ai choisi le Congo. Oye koya eya. Voilà tozwa ba menace de mort. Mais cela ne nous empêche pas de continuer de parler aux Congolais de père et de mère. Et masolo eza ebele ebele mkolo ya lundi. Masolo eza ebele akobete na bino bandeko ya ngai. Merci, chers compatriotes. Na tango tozala kati ya koloba, mbinga mbinga, eza ebele na kati ya mboka na ngai. Mbinga mbinga, eza ebele na kati ya mboka na ngai. Bayi koto election te, bayi koto election ezali. Bayi koto totika ba kandidature te, koto ba mosuba zotika na kobatama. Ki di vrai? Nani population ko yiko yokela? Soit qui n'a pas le but du peuple n'a été. Koto ba toi kabila ba lobi, biso to ko postilete. Koto ba toi fayoulou ba lobi, biso to kene ma ponamite. Koto yo ba opposa moussou ba lobi, fiche wanate. Me bazo kene ko sa, ba kene ko sa enroule, fiche wanate. Ba kei ko depose ba kandidatir na bango, yakouba atama. Me na Kinshasa. Bazana kata ko distraire un peuple congolais. Keto kende na maponamite, mais de l'autre côté, bazana kata kende ko tika ba candidature na bango. Nani azo manipuler peuple congolais, ba politiciens na biso. Ba politiciens ba lingi mboka oyote. La raison pour laquelle il y a une révolution congolaise, il y a une révolution de la jeunesse congolaise, il y a une révolution des hommes et des femmes qui ont compris le plan de nos hommes politiques, il veut finir avec eux. Nous devons se séparer avec ces médiocres. Nous devons se séparer avec les gens
qui ne veut pas aider que le pays avance. Genève Zinakosi, Oya Zamoko, ya allié ya Kabila, parti ya Kabila, bay o balobi bango bazo to sa mot d'ordre. Bay o Kabila, il sait bango, il faut pas résister, résistance. Genève Zinakosi, aza député honoraire, a outu ko postulé na plateforme ya Fifi Masuka, et ça Sony. Alors, abat, akende ya kobatama. Mais Kabila alobi bo kendete. Bolobi bo si mot d'ordre. Mais yo ke ko postulé ndengenini. Je vous dis, il y a beaucoup de gens de PPRD. Ba ke ko batama na basima ba parti mususu. Ba ke ko batama na sima. Ya ba rekupa mususu. Ou est-ce la carte à pouvoir? Ba ke ko se présenté kuna. Ba mususu ba kontina di pro. Ya Costa Mutamba, bakay ko bata makuna. Et voilà comment on est en train de distraire le peuple. Mais c'est Fayulu a envoyé les gens avec la liste de ces députés na kobata makuna ke na kotik na seni. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ya kobata ma. Mais de l'autre côté on nous dit pas question. Matata pono candidat député national na Kindu. Il a postulé. Il vient à Kinshasa pour nous dire Tobo ya calendrier wana, Tobo ya fichier wana. Est-ce qu'on comprend comment on est à manipuler le peuple congolais? Denis Essanga Yewana. Et ces gens-là viennent ici pour nous dire tu sais qu'il dit, quand il m'a fichier wana, il m'a dit tu sais qu'il m'a dit qu'il m'a dit fichier na biso. Alors que Bango Moko. Bazo kende ko postile. Bazo kende ko tina batu na bango. Ensemble ya Katumbi a aligné presque 400 candidats députés national. Mais de l'autre côté, bazo no bake non. Fiché ezama be. Mais bake ko postile ndenge nini. Tala. Théâtre de chez nous. Biso to komi ko décourager bango. La population congolaise a zasu zobate. On a compris maintenant que le plan de l'opposition en place, c'est de combattre la République démocratique du Congo. C'est de freiner un élan. Yamboka na bisu sakata kokende. C'est d'amener le peuple congolais na kata distraction. Tokotika bangote. Et le Congolais va s'élever. On va sanctionner tout le monde. On a besoin d'une nouvelle génération. Des jeunes locaux de la liberté du peuple soit Mutombo. Oh bah quoi accompagner Tata Mukonza Ekolo. Bah bah quoi accompagner Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous devons donner à Félix des députés conscients, nationalistes, patriotes. Oh bah qu'on défendre Mboka. Oh bah qu'on s'amakamo. Bah voter loi pour Mboka. Bah c'est ma perdième thé. Bah c'est ma motivation thé. Oh bah quoi que nous sommes là, c'est pour défendre la République. Chers compatriotes. Moi je parle la vérité. Ce que je dis ici d'abord, c'est ça. La prise de conscience. Si tu veux me suivre, c'est la prise de conscience, le changement de mentalité, l'esprit patriotique. Oh Ousmane Mutombo Lobaka. Le nationalisme, c'est ça chez moi. Le changement de mentalité, moi c'est ça. Je parle comme ça. Hein? Voilà comment les vents ont commencé. Mais c'est Fayulu. Oh, il y a quand même un meeting. Fayulu a zoné le bateau, zoné tonda. Bon, mon élo. J'ai vu Fayulu avec mes propres yeux na Tchangu. Je vous dis, ça c'est honteux. Mon toi, bah, quand on sale meeting, na quand t'as Thérèse Sainte-Thérèse. Le lo, le monde a Thérèse Sainte-Thérèse. Bah, qu'est-ce qu'on a Thérèse à Bouddha, Thérèse à Moukié, Bouddha. Mais il faut que vous ayez 500 personnes, mes chers compatriotes. J'ai des images ici. Maoua. Je dois vous balancer les images ici. Et ça, c'est Maoua.
Et les gens ont compris le plan de l'opposition. Bah, tu vas comprendre que l'opposition que vous voyez, et ça est là comme au côté Bazana Yango. Si ce n'est que la manipulation du peuple congolais. Fayoula comme à qui m'intéresse s'intéresse, à qui n'intéresse à bout de gaga nanjiliwana. Mais ce terrain là, ngai Ousmane Mutombo, n'attendons pas que terrain on a plein tilibanda avec mes bases à moi, qui croient au changement, qui croient à notre vision, qui croient comme bino bozo croient na bisou na les tozo salakata ba media. N'attendons pas on plein, mais je dois vous balancer des vidéos de Fayoula. Là c'est la honte. Eza Sony, voilà les Congolais ont compris. Ils ont compris cet échec de l'opposition, la complicité, parce que tout celui qui soutient le Rwanda, tous les candidats de l'Occident, basant les malvenus au Congo. Ah oui? Voici une image. Donc, ça, le Messie a perdu. Les Congolais ont compris. Les gens qui soutiennent Paul Kagame, les gens qui font le même plan avec Emmanuel Macron, les gens qui voient que l'intérêt, il y a Bango, il y a Bote, il y a Bango, ils n'ont pas regardé la République. Le peuple congolais d'hier, je l'ai dit, n'est pas ce peuple d'aujourd'hui. La détermination d'un peuple. L'amour de la patrie. Élection 2023. Une révolution de la classe politique. Une nouvelle classe politique arrive. Maintenant, sur Libanda, nous devons faire confiance au chef de l'État. Et nous devons amener des hommes et des femmes capables de parler au nom du Congo. Voilà Denis Essanga. A commis qu'on s'en a pardon. Tu as habité Nathan Azali. La population kasayenne de Kananga va comprendre que Denis Essanga a mouyini. Aza traître ya ba Congolais. Makila ya bato ya boumaki na SNDP et Siri Nanote. C'est sanga za criminel. Akei na kasaye pour nous distraire bato. Mais bango misi bato na Kishasa. Mais akei kuna posile. Bandeko yanga. Ma bange zuye na moutou. Ba bangbe ma bangé pa population kuna. Ça, moi je dois encourager la population. Tous les candidats de l'Occident, toya mabango na olenge oyo, mabanga, to benga na bango. On a besoin des Congolais de père et de mère. On a besoin des Congolais qui viendront pour changer quelque chose. Pas, c'est là qui combat la vérité. C'est là aujourd'hui qui s'élève. Pour détruire l'image du peuple congolais. Bakoko te biso na nzela na bango. Ah, mais l'éloge doit parler avec des images. L'éloge doit parler avec des images. Denis Essanga awa zolo bazo finga zolo balo bisi bato bokende ko sarul bokende ko postilete to boy fichier wana basali ka di maté. Mais Denis Essanga postile. En Kinshasa bo bisi bato na bala. Côté Nabino Yakananga, Bokengo postulé. Vous prenez les gens comme qui? Il est allé là-bas. Abimina Moutoukna Batazaki Nabango Azo Pepa. La population du Kananga. On va voter de Nice Sanga pour un label à Tshisekedi. Ils ont compris que pendant tous les mandats, qu'est-ce que le député que vous avez voté, Basala? Basala n'est pas dans le mandat Nabango. Ils ont fait quoi? Tu as osa Eli à Kivu, Eli à Kasai, Eli à Kinshasa, Eli à Wap, Yaba Congo, Eli à Équateur, Eli à Kwilu. Qu'est-ce que tu as fait pour que les Congolais wana aya lissus kopé son mandat lissus? Ça dit n'importe quoi. La révolution congolaise face aux députés des impérialistes, face aux candidats des impérialistes, face aux gens qui n'aide pas le chef de l'État. Voilà comment Denis Essanga a eu son sort.
Élection 2023, on voit le peuple Bakobo Mamoutou. Population congolaise, ils vont tuer les gens. Tous les candidats qui viennent avec le compris ça bah, impérialiste. Le Congolais, t'as là, ils envoient mon cousin en Afrique, ma baie, mais c'est tout au Congo. On va les mettre hors d'état de nuire. Voici Denis Sanga, mes chers compatriotes. Boye, Sony, voilà comment il a été corrigé par ce peuple-là. Le peuple à qui vous trompez chaque jour, que vous manipulez chaque jour, on en a marre. On a marre de vous. Les autres petits Congolais, on a marre de vous. Voici ce qui a été réservé comme accueil. Non, félicitations à Batouana. Balaki, si on n'a pas besoin de vous, quel genre de député que nous avons? Na Tongo, Olobi Loko Moussous, na Boutou, Yohana Simeya Tshisekedi. Na Tongo comme opposant. Na Boutou, Yohana Bakata Bambassade, Toloka Dialogue. Après ça, poste et toi, ça, la bonne aboye. Oh, Robert Tshisekedi. Namoi, vous faites sortir les enfants d'autrui. Bana yabat. Fichon les amabé. Ne binomoko bozo ke nochaba candidature. Qui trompe qui? Vigilance au Congo. Le peuple ont compris. Voici maintenant ce qui a été fait. Des fois, Denis Sanga frappe. Les images. L'émission d'aujourd'hui, je dois vous montrer ce qui se passe. Malembe, malembe. Je dois aller avec vous jusqu'au bout. Parce que dans tout ce que je fais, les Congolais vont se retrouver. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non, moi, je n'ai pas aimé. Comment il osa content. N'est-ce pas, Betty Denis Sanga Nani Libanga. Azande Gounanga et Louisa. Monsieur, ici, on ne parle pas de Louisa. Ici, on ne parle pas de Kananga, de Kassai, mais on parle de Grand Congo. On parle du Grand Congo. Les Congolais, basana kasi, yako se venger contre tous les candidats des impérialistes et tous les candidats qui ne sont pas du bon côté de l'histoire. Et les Congolais, nous devons voir ça. Et nous devons comprendre la vérité. Et la vérité, que soyons du bon côté de l'histoire. Et nous avons refusé un règne de l'impérialisme dans Mboka Nabiso. Règne de l'impérialisme dans Mboka Nabiso. Voilà, chers compatriotes. Je reviens maintenant à ce sujet. C'est la première fois Oyo ngai Ousmane Mutombo na bandako attaquer la ministre de la justice Azanoyi na ngai Rose Mutombo na bandako bazana aza incompétent na bandako ke azo mérité té. Moi je suis comme ça. Lorsque vous avez salama kambolo lenge pe population ba beti maboko, j'appuie. J'étais toujours du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire chez moi, ceux qui ont sali malam pona Congo, pona image à Congo, oui, na beti na ngai maboko. Je te soutiens, je dois parler de toi. Ça c'est moi. Ceux qui ont sali ma bé contre le Congo, mukolo tiseke de ko salama bé. Il y a ma caisse, moi, je viendrai aussi pour condamner. Ah oui? Madame la ministre de la Justice, a salé l'eau comme moi, quand on a eu l'eau, n'a bêté ma boucle, n'a eu, n'a commissié. C'est comme ça avec moi. Si tu veux être bien avec Ousmane Mutombo, Zalak toujours, n'a côté à une bonne histoire. Il faut qu'on soit à côté du peuple. Il faut qu'on soit au conseil présidentiel, mais y'a pas congolais. La vérité est têtue.
La ministre a regardé ambassadeur à l'Union européenne. Quand je vous parle, entre la RDC et l'Union européenne, il y a un mouvement terrible. Fachi, dans quelques jours que vous voyez, l'exception de l'ambassadeur à l'Union européenne, et je paye ça. Parce que trop, c'est trop. L'ambassadeur de l'Union européenne a s'ingéré dans le cannabiso. Papa, il y a seulement seul pays, seul continent au monde, où les ambassadeurs sont comme les chefs de l'État, où les ambassadeurs font la loi, où les ambassadeurs décident, où les ambassadeurs basana et respectent les ambassadeurs en Afrique, bakota na ba porte ba président de la République, comme si basa baninga quand il veut, comme si ça se côté la poubelle, comme si ça se côté la toilette, comme si ça se côté l'église. Ça, les ambassadeurs occident en Afrique basa na respecte ba chef de l'État. Et tout ça va changer. Tout ça va changer. Tout ça va changer. Et nous au Congo, nous devons refuser tout ça. Comment est l'ambassadeur de l'Union européenne prend le courage de parler contre l'intérêt de Congolais de père et de mère? Commence à s'attaquer Naba Congolais de père et de mère. Commence à demander la justice. Donc, ambassadeur Azo Senga, baka en Congolais de près de mer. Parce que Congolais wana, Azo défendre intérêt à Bandekunaye Bazo Mana Est. Azo défendre intérêt à Congolais de près de mer au Bakoufwa. Il y a plus de 12 millions de morts. Pourquoi l'Union européenne n'a jamais condamné le Rwanda? Pourquoi l'Union européenne n'a jamais sanctionné les génocidaires de l'Est, les criminels de l'Est du Congo? Pourquoi? Aujourd'hui, Paul Kagame tue, viole, massacre à l'Est du Congo. L'Union européenne est incapable de sanctionner le Rwanda, de sanctionner Kagame. Les généraux rwandais violent, tuent sous la bénédiction de Kagame au Congo. L'Union européenne ne dit rien. L'ambassadeur de l'Union européenne, ceux qui châtignaient, ceux qui chaninent, ceux qui nanyango, ils n'ont jamais condamné. Ça qui se passe à l'Est, sanctionner ces gens-là. Au contraire, les Rwandais qui tuent à l'Est, l'Union européenne sort 20 millions d'euros, 30 millions d'euros pour soutenir l'armée rwandaise. Et là, qui c'est que Ils ont complicité dans Bango. Bandoki. Et voilà, lorsque Justin Bitakwira, Oyaza moko ya ba Congolais de père et de mère, azo dévaler le plan de l'Occident, azo dévaler le soutien de l'Occident. Nabatouti, l'Occident qui veut détruire le Congo, l'Occident qui a pris le Rwanda, le massacre des Rwandais au Congo, Justin Bitakwira devient un homme à battre par l'ambassadeur de l'Union européenne. Justin Bitakwira a dénoncé les Tutsi rwandais. Oye bazo ya na mboka na biso bazo buma. Oye bazo buma bazo occuper ba espace na biso bazo ba congolais te. Mais yo ambassadeur de l'Union européenne, comment qu'on ait courage ya ko s'attaquer na Bitakwira, na ko s'attaquer na gouvernement congolais et demander au gouvernement congolais d'arrêter Bitakwira? Bitakwira c'est un héros. Chers compatriotes, il est temps que nous, les Congolais, de père et de mère, nous devons soutenir Ndekunabiso Bitakwira. Soit que ton tiki est, il sera tué.
Il est temps de soutenir Ndekunabiso Bitakwira. Moi, c'est ça. Ici, c'est le patriotisme, nationalisme. Lorsque l'un des Congolais sort en silence, parle le plat caché, le plat satanique, diabolique, et ces Congolais-là, ils sont comme cible par l'Occident, par le Rwanda, et nous les autres Congolais, nous devons les soutenir. Nous devons lui amener notre soutien total. Monsieur Justin Bitakwira, vous avez le soutien des Congolais de père et de mère. Parce qu'aujourd'hui, osons défendre les Congolais de père et de mère. Comment l'ambassadeur de l'Union européenne a quoi condamné à l'Obino? Il y a la discrimination. Le gouvernement congolais favorise la discrimination. Il faut stopper ce monsieur-là parce qu'il dénonce le plan de Tutsi. Parce qu'il dénonce le plan des Rwandais na Mabele na Biso. Parce qu'il dénonce votre complicité. Mais ce que moi j'ai aimé, la ministre de la Justice a répondu à ce monsieur. Pourquoi quand on tue à l'Est, vous gardez silence? Pourquoi lorsque les Congolais sont massacrés, vous ne condamnez même pas? Vous ne demandez pas de sanctions. Mais pour un Congolais qui s'élève, pour dire la vérité, vous demandez des sanctions. Vous demandez qu'il puisse être arrêté, qu'il puisse être tué. Non, messieurs ambassadeurs, trop c'est trop. On en a marre. Voilà, vous avez rencontré un gouvernement responsable. Vous avez rencontré un gouvernement responsable qui vous ont remis à votre place. Oui. Qui vous ont remis à votre place. Monsieur Bitakwira défend le Congo. Monsieur Bitakwira parle de plat de Tutsi au Congo. Comment Batutsi va y na mboka na biso les Rwandais? Comment ils ont eu la politique de tuer? Comment Kabila avait favorisé les homogénés Tutsi au Congo? Et comment les Tutsi, leur plan, les Rwandais, leur plan est de faire comment? Tuer les Congolais, récupérer nos terres associées au Rwanda. Avec la bénédiction de la communauté internationale, que vous, l'Union européenne, vous encouragez. N'importe quoi. Et tu te lèves le matin, nous nous sommes là, vous, l'ambassade de l'Union européenne, vous donnez des injonctions dans le gouvernement congolais, dans le ministre de la Justice. Mais messieurs, tu joues avec les Congolais. On en a marre avec la France. On en a marre avec l'Union européenne. On en a marre avec l'Occident. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vous l'Occident qui est complice. Vous êtes incapable. L'énergie que toi tu as sortie pour demander des sanctions contre Bitakwira, Kukanga Bitakwira, des condamnations. Mais comment Obimisis, énergie ou raté, pour demander à l'Union européenne, au Conseil de sécurité, de sanctionner le Rwanda? Il y a un Congolais là qui sort, qui dit oui, là, messieurs, vous jouez avec les faits. Cette fois-ci, Congo tozo kangama. De même façon que nous soutenons le chef de l'État, de même façon, tous les Congolais qui ne font pas le plan des impérialistes, nous devons les soutenir. Vous comprenez? Justin Bitakwira, vous avez notre soutien. Et nous demandons au gouvernement, si ce monsieur va partir à Kende, on n'est pas le chef de l'Union européenne. Parce que ce qu'on tue à l'Est, c'est nos frères et sœurs. On a marre. Quand nous sommes de l'autre côté, on se bat de l'autre côté, là, l'Union européenne, le Conseil de sécurité, il continue à sanctionner nos frères. C'est vous l'opposition qui encourage toutes ces bêtises. Le Conseil de sécurité vient de sanctionner l'un des généraux, bien des colonels, je pense. Un colonel de FARDC, colonel Tokolonga, va sanctionner le Conseil de sécurité, dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce colonel, selon Bango,
azo pesa ba ba civile ninduki pour s'attaquer au terroriste rwandais. Ah zambe na ngaye. C'est vous l'opposition qui permet aujourd'hui que l'Union européenne na l'Occident baba sa babuzo ba yaboy. Chers compatriotes, on encourage ça. Un colonel qui a compris que le plan à Rwanda et ça y a comme un Congolais. Aïe, quand le Congolais faut nous devons réagir. Qu'on applique l'article 64, défendre la nation, mettre tout hors de nuire, montrer ce qu'il y a pour nous décourager, pour nous déstabiliser le Congo. Ah bon? Vous là, vous vous levez le matin de commencer à sanctionner les colonels congolais parce qu'il fait son travail. Messieurs, les gens qu'on a donné les armes là, ils ont la civilité, ce sont les réservistes. Comment au Congo nous avons la loi sur les réservistes? Nous avons reconnu les Maïmaï, Nabiso. Mais lorsqu'on leur donne les armes pour s'attaquer aux ennemis, comment bino l'Union européenne? Comment bino l'Occident? Le Conseil de sécurité, Boulamouki Natongo, vous avez sanctionné le colonel Yamok Nabiso, vous avez fait la moussala pour nous décourager l'occupation du Rwanda dans notre terre. Ah. Ba sanction na pamba 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 wan. Mais comment vous sanctionner ba général rwandais te? Comment vous sanctionner les Rwandais qui tuent au Congo chaque jour? Comment vous sanctionner ba rwandais te? Oh, ils besoin violer. Quelqu'un qui viole chaque jour, quelqu'un qui tue chaque jour. Comment vous ça la yango te? Ya. C'est-à-dire que les Congolais qui veulent se défendre, qui va bloquer votre plan, ce sont les Congolais que vous avez besoin de soutenir, que vous avez besoin de tuer, vous avez besoin de sanctionner. Bon, sanctionner les Congolais, oh, bah, zola mukana tongo, bah, le bique tokotik, bah, mouna oyote. Ce sont ces Congolais-là que vous, l'Occident, vous voulez sanctionner, chers compatriotes, bandeko yangai. Bandeko yangai, tofungula misu. On sanctionne un colonel parce qu'il vient à pas ma maï maï. Hein? C'est le gouvernement congolais qu'on a sanctionné. Là, vous, l'Occident, vous jouez votre sale jeu. Vous devez sanctionner le Rwanda. Vous devez sanctionner Paul Kagame. Ça, c'est que là, qui est solo que Bozana Bolonga ba Congolais. Mais aussi longtemps que vous allez s'attaquer aux Congolais qui veulent défendre la nation. Tokoyo Kanate. Au lieu qu'à l'interne, to sangana, to simbana, pour nous mettre échec dans l'Occident, il y a des gens qui parlent dans la chambre ambassadeur. Kotoyo. Vous jouez avec les gens, vous jouez avec les Congolais. Et nous espérons que le plan que vous avez, tout ce que vous avez mis en haut, chers compatriotes, la MONUSCO, Bali, va nous recruter. Ah, gaïe. Va nous recruter par Rwandais, par Ougandais. Na katia MONUSCO. Baza la mabela na biswa opéré. Oui. Oui. Ce qui banda tout le temps ici. MONUSCO baza na banguna ba mindukite. Banda tout ce temps ici. La MONUSCO baza na banaba homme te oyo ba kosa la face ya ba terroriste. La MONUSCO dit na conseil de sécurité baza na mindukite. Il faut baza na armement oyo koleka M23. Ça dit M23 c'est armement koleka ya MONUSCO. La MONUSCO est composée de qui? Les États-Unis. Ça dit que papa, les États-Unis, la France et les autres pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que Batouana, Bazana Bimindou, qui était le col M23, on se comprendra en Babablokwana. Ils n'ont pas des hommes bien outillés pour combattre l'insécurité à l'Est. Vous comprenez tout ça. Mais Banda, tout l'État ici, la MONUSCO, Banda, vous savez, Banda, vous connaissez que vous avez un minéraire. Banako timulaka ba minere na biso ba kenda na yango
ils avaient recruté les créseurs. Aujourd'hui, la MONUSCO, c'est urgent. Ba recruter bato ba yebi munoko ya côté bazali na Uganda pe na Rwanda pour baya na Congo. Non, les Congolais, les services de renseignement, nous devons mettre fin na plan oyo parce que ba lingi bazo ba Rwandais ba Ougandais baya na compte ba contingent ya MONUSCO na mboka na biso pona baba na kosala plan na bango malamu to fungula misu. Le gouvernement congolais faut te fongola misu. Pourquoi ne pas recruter les Congolais, les FARDC? Pourquoi ne pas prendre les gens au sein des FARDC? Bazala, na ba conteja ya MONUSCO na est parce que ba yimi ne connaissons pas mboka na biso. Pourquoi pas? Voilà le plan de l'Occident et on le dit que c'est urgent. Tout ça c'est pour mettre à mal au Congo. Tout ça, c'est pour chercher comment bloquer les élections en RDC. Et Bissot, tout ce que tu es bibino, tokotika la bongote, on va vous empêcher, on va vous bloquer, votre place sera bloquée. Et les Congolais, nous devons s'élever. Parce que la décision aujourd'hui, tous les plans de l'Occident, et là qu'ici à Solo, que l'Occident est derrière tout ce qui se passe à l'Est. L'Occident appuie les Rwandais, l'Union Européenne, la MONUSCO, les conseils de sécurité sont les ennemis du peuple congolais. Il est temps que les Congolais de père et de mère soient vigilants. Lèvons-nous comme un seul homme. Disons non, n'aba impérialiste. Tous les candidats, au Bakoya Nanzla, n'aba impérialiste, te mettent hors d'état de nuire. Ce qu'on a réservé à Mukwege et aux autres, ça sera réservé, et vous a réservé aussi à Mukwege. Plutôt, ce qu'on a fait à Sesanga, Mukwege, tirez attention, on refuse les candidats de l'Occident au Congo. Voilà, Bandeko Yangaï, exactement, tant qu'on a bêté à Masulo, la MONUSCO, il faut balunga avant. Il faut accélérer le départ de la MONUSCO. Il faut balunga parce que leur plan de recruter les Rwandais, il y a une brigade de la MONUSCO, non, ça c'est un plan diabolique. Il faut tous s'activer. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est là, la MONUSCO va quitter. Même ensemble, on va retourner à l'ELIAC. Merci, Bandeko Yangaï. Ezaki, votre humble serviteur de père et de mère, Ousmane Mutombo, Wamutombo, votre candidat nationaliste, un candidat de changement, na kozonga labino na deuxième partie émission na biso pour na yebisa bino to komi wapi na enquête ya Sherbe Okende vérité bimini sous vérité bimini sous kosakanate. Merci, avec Dieu nous vaincrons. Chant là.